aussi. Ta tanda chanju simje ki kese dotin al yoban chin chen majoban chuwa majoban u majoban u yo wa yonsu nyangel ma de na yonsu nyangel da was ta di do di shi che ta kyam ju kulong ju ya din is ta din jin du sam dukstana. Donc, nous allons établir la motivation donc, quant à la prise de refuge en nous appuyant, donc, comme nous l'avons fait précédemment, sur le premier vers donc, du sutra qui est cité dans notre texte, dans le commentaire de l'Esprit d'éveil, qui dit « Pour libérer les êtres qui n'ont pas été libérés, délivrer ceux qui ne sont pas libres, réconforter ceux qui manquent de réconfort et amener à l'état au-delà de la souffrance ceux qui n'y sont pas parvenus. » Semeshi samtaindu dungeda tena chimaro chawar juji chawar dagi chaw deda chenyu wala mala chingi lap tu su se sina su sambo deris na yandwa o din nang shin she je madre banam tena chimaro chawar juji chawar dagi chaw chenyu wala mala chingi lap tu su se din nang shin she ne madre banam chowa u ma chin banam u yong din de re la ko kasur keju shi shi sorchi din de shi sambo tang an din de ki tone kasur Gamjugu, Dai, Gamjugu Ninchavore, Tabashim Gamjavore, Tendigitone, Da, Sangi Chu Gindula, Anni, Gapsu Taba, Anjang, Antitone, Anni, Gibu Setabachina, Yomedros. Et ces quatre vers, on peut y réfléchir, notamment comme on le fait des quatre pensées incommensurables. Savoir, par exemple, quand on dit « comme ce serait merveilleux si tous les êtres pouvaient être débarrassés de la souffrance et des causes de la souffrance, puissent-ils en être débarrassés ? Et je ferai moi-même en sorte qu'ils en soient débarrassés et je prie le maître et les déités de m'accorder leur bénédiction afin que je puisse agir ainsi, afin que je puisse agir de la sorte. » Et de la même façon qu'on procède ainsi avec les quatre pensées incommensurables, on peut le faire donc de ces quatre vers. Puisse-je délivrer, quand on dit comme ce serait merveilleux si les êtres qui n'ont pas été libérés pouvaient être libérés, puissent les êtres qui n'ont pas été libérés être libérés, moi-même je ferai en sorte qu'ils le soient libérés et puissent les déités, les maîtres et les déités m'accorder leur bénédiction afin que je puisse agir ainsi. Et on peut ainsi donc développer ces quatre différents aspects donc, de la pensée à l'égard de ces quatre vœux ici, ou ces quatre aspects, pour libérer les êtres qui ne sont pas libérés, délivrer ceux qui ne sont pas libres, réconforter ceux qui manquent de réconfort, conduire au-delà de la souffrance ceux qui n'y sont pas parvenus. Et ça, donc, ça sert de cause, quelque part, donc, de cause du Mahayana, en tout cas de cause pour prendre que la prise de refuge soit une prise de refuge qui relève du Mahayana. Et il convient également de lier la confiance, la conviction que nous avons donc, dans la protection du Bouddha, du Dharma et du Sangha, pour que la prise de refuge donc, puisse être complète. Et à la suite de cela, donc, lorsque la motivation est ainsi établie, nous pouvons visualiser les objets de refuge. Et donc on va lire ensemble cette strophe donc, une nouvelle fois, et à la suite de cette lecture, donc, nous la méditerons. Ainsi, comme les bienheureux Bouddhas et les grands Bodhisattvas engendrèrent l'esprit d'éveil, moi aussi, pour libérer les êtres qui n'ont pas été libérés, délivrer ceux qui ne sont pas libres, réconforter ceux qui manquent de réconfort et faire en sorte que ceux qui ne sont pas au-delà de la souffrance y parviennent, désormais jusqu'au cœur de l'éveil, je vais engendrer l'esprit du grand éveil.
Donc pour ce qui est de ce commentaire, donc nous avons vu qu'il est constitué d'abord donc de cet extrait du deuxième chapitre du Tantra Racine de Boye Samaja, ensuite de l'extrait contre des Donc, le sutra donc qui est cité initialement, donc dont je vous donnerai le nom en fait correctement traduit demain. Le sutra qui est cité ici en amont, donc qui commence pour nous comme les bienheureux, etc., et qui s'arrête en haut de la page 35, est en fait la source en fait qui a donné naissance au commentaire de l'esprit d'éveil. Donc, a rédigé Nagarjuna, il s'est appuyé en quelque sorte sur ce sutra, de la raison pour laquelle il le cite en fait, ou il en cite une partie au début de son texte. Et ensuite, donc, ce qui est à la page 35 pour nous, qui est intitulé 1, consiste en le prologue et ensuite en la promesse de rédiger le texte tel que cela a été exposé. Open is better. Is affecting for you? No. C'est mieux comment pour la. Okay. Le son, ça va ou pas? Rosette, le son, ça va ou pas? C'est bon. Okay. C'est plus loin ou plus près? C'est mieux. It's no problem. You can put this light. It's no problem for me. If you need to see my face better. It's no problem to put this light. D'accord. Blue light. Maybe put this light on. Maybe it can balance. The Lord Dipada. Pyramid. C'est pas ça, c'est à rajouter. C'est not working. C'est le film. Ok, good. Make sure it doesn't see my gray hair. Assurez-vous que ça ne met pas trop en valeur mes cheveux blancs. Okay. Do shit.
Ta tsavetsik sangenam di chanjusen. Ta dang ponso namjiki. Tokonam di madushin. Ta do toni tsinishi. Voilà, la mon chanjer siesta. C'est OK. On continue donc. Here's a furthermore light. Shuloka Niji Dua Tobanam Jima Jiba Tadu Tungi Tsinishi Ningji Lembe Semgini Bebe Goma Chavain Tuji Dangi Sanjiji Changju Sem Tadu Gom Seach Shuloka Alingil Shuloka Niji Nimdo Shidun Das Kianzgan Nimdo. Donc, nous allons lire ensemble maintenant la strophe 2 et 3, le quatrain 2 et 3. On change juste le tout début, et après on lit ensemble. Il est dit que, et on prend ensemble, pour les Bouddhas, l'esprit d'éveil n'est pas obscurci par les pensées intellectuelles, comme le soi et les agrégats. Toujours, il a pour caractéristique la vacuité. Il faut l'esprit imprégné de compassion, méditer avec diligence sur cet esprit d'éveil. Les compatissants Bouddhas méditent constamment dessus. That and did the Shulagani digi, the Casore Tabashan will lam chi draw down search. That turned out Yella Ningbuchi Zig Jessie Mashu, the sugar in the Yella Carson Gorsona, and this Shulaga Susuchaba ni digi, any. Debu sangi kohan de karesana, chugi gudan sugi gu. Chugi gudan sugi gu. Ani debu de la chugi gudan sugi gu ni yoba indi, tati topji gi gu. Ani lam tabjeni. Tabnan sherab. Sherab di, ani chugi gu gu dan. Ani tab di, ani kasore. Ta sugi gu gu. Duce. Tende indi, lam. Lam tapshin is in the lam tandem simge dang, gususimge. Debu, any chugi gudan sugi gu. Da, te yongba te, any shila, any demba nisin, yong go. Da, de te, jodan rauche. Da, kapdirzo, lamgi negos shigi yobindu, shidan lamgi negos shibindu, da, lamgi negosu, tandem chanjusim, the gusu chanjusim, condes chan yams languresna, tandem chanjusim, the gusu chanjusim, any sundu debugon yams langures. En fait, comment donc procéder, comment évoluer donc le long du grand véhicule. Quand on regarde en fait son aspect résultant, donc qui n'est autre que l'obtention du corps de la loi du Dharmakaya et du Rupakaya, donc du corps de la forme, ces deux résultats sont obtenus en vertu donc des deux causes accumulées le long du chemin, qui sont la méthode et la sagesse, donc l'union de la méthode et de la sagesse, qui consiste en fait, en le développement de l'esprit d'éveil conventionnel comme cause d'obtention du corps de forme et de l'esprit d'éveil ultime comme cause d'obtention du dharmakaya, du corps de la loi. Et ces causes, donc, au moment du chemin, peuvent être développées en vertu de l'existence initialement, au moment de la base, donc du temps causal, de la présence des deux vérités. Et c'est là, en fait, où nous nous trouvons, c'est-à-dire à la fois au moment de la base, au moment du chemin, c'est-à-dire savoir comment, en fait, pratiquer, donc développer, en d'autres termes, comment s'attache à développer l'esprit d'éveil conventionnel, l'esprit d'éveil ultime, et implicitement ici, ce que nous dit le texte, c'est que il y a lieu, en fait, de les développer les deux parallèlement, conjointement. Donc, ta tini inaneta, tandé tangi tsik tangbo de sangye namji changjusim, dag tang ponso namri gi, tokpo namji madikshin, madipshin, sajtwa, sangye namji sayade, ta jidang Gumbulurub ki styles of window, that the any Karine, Lungi Duba, and Ribe Dubas, that Riba Chugu Tony, Duba Chugu Mimba, Lung the Riba Nigitone, Tongani Telaba in the Lung the Riba Nigitone. That didn't even buy in the cup there, Sangi and Namji Changjuk Sims in the Sangi said Nedi, the Sangi Jumdende, Sangi Jumdende Gi, and Ichi, Shijingi Doyakadu in Eri,
Oni ta do don gu kangi ne gusu ina yang sangi gi chanju gi sem se ajorwa chanju gi sem se adi gabdi chanju gi sem di tunum chanju gi sem ko gures en tunum chanju sem gi yudi karesna tunum chanju sem gi yudi ani da don pungbo don te da gi ani nelu tar tu pati ta da don pungso nam da don pungso sen du da sen du ta ngarako Et ça, c'est quelque chose qui relève du... Si on regarde simplement le premier quatrain maintenant, il dit que pour les Bouddhas, l'esprit d'éveil n'est pas obscurci par les pensées intellectuelles comme le soi et les agrégats. Toujours, il a pour caractéristique la vacuité. Ici, cela trait au style particulier, peut-être de Nagarjuna, qui, lorsqu'il aborde la vacuité, se sert à la fois, donc s'appuie à la fois sur des citations scripturaires et sur des raisonnements, sur des points d'analyse, des raisonnements. Et il est ici, donc il s'appuie sur le sutra Shishinkido 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 Donc il s'appuie sur le sutra de la perfection de la sagesse, donc la Prajnaparamita, le sutra de la Prajnaparamita, et sur des tantras, donc pour parler ici, pour évoquer donc cet aspect donc de l'esprit d'éveil ultime. Quand il est dit ici pour les Bouddhas, l'esprit d'éveil n'est pas obscurci, il est fait allusion à l'esprit d'éveil ultime, et du côté de l'objet donc de cette esprit d'éveil ultime, il s'agit donc du jeu, dans ce que l'on a appris, c'est-à-dire le soi et les agrégats, Timetha, il y a même etc., quelque part, qui est rajouté. Donc le soi ici fait référence donc au jeu, en d'autres termes, donc au non-soi de la personne, les agrégats et donc etc., faisant référence au non-soi des phénomènes. Et qu'il s'agit, quand on regarde le soi et les agrégats, donc leur nature est d'être effectivement, étant dépourvu donc, de soi, d'être l'objet donc de l'esprit d'éveil ultime. Ceci dit, donc, de manière ultime, en fait, le soi et les agrégats donc, n'apparaissent que temporairement voilés. En d'autres termes, ils nous apparaissent comme étant dotés d'une existence véritable. Mais ce filtre, en fait, n'est là que temporairement. Et d'aucune façon, ultimement, ils sont ainsi donc masqués ou voilés et donc apparaissent donc, et donc existent, en d'autres termes, d'une manière véritable. La nature de l'existence cyclique elle-même, la nature du cycle des existences lui-même, est ainsi non opacifiée, finalement, de manière ultime, n'est pas ainsi, en d'autres termes, n'existe pas de manière véritable. Donc,
Lorsque l'on regarde en fait les trois premiers vers de cette deuxième strophe, il est dit pour les Bouddhas, donc l'esprit d'éveil n'est pas obscurci par les pensées intellectuelles comme le soi et les agrégats, etc. En fait, ces trois premiers vers donnent un petit peu, en quelque sorte, la réponse à la question c'est comment en fait la vacuité, ou en quoi ça consiste, en quoi ça retourne. Et à ce titre-là, donc, il peut y avoir deux interprétations. Deux interprétations peuvent être données. Quand il est dit, par rapport à ce terme, n'est pas obscurci. Ici, il est dit, n'est pas obscurci par les pensées intellectuelles. Donc, quand on a ce terme, nous ici, donc, de pensée intellectuelle, il faut comprendre qu'il s'agit en fait d'appréhension donc, de l'existence véritable, c'est-à-dire de toutes les formes donc, de pensée, de saisie, en d'autres termes, de l'existence véritable. Et de telle finalement saisie, ce qui est saisi donc par ces saisies de l'existence véritable n'existe pas en fait, n'existe pas en soi, n'existe pas. Et cette absence donc d'existence, sous-entendu donc de ces saisies appréhendées par la saisie de l'existence véritable, cette absence d'existence consiste en l'objet de l'esprit d'éveil ultime, n'est autre que l'objet de l'esprit d'éveil ultime. Et une autre interprétation donc, par rapport à n'est pas obscurci, donc ici, c'est quant à la nature même de l'esprit qui n'existe pas de son propre, n'existe pas véritablement. Donc son mode d'existence ultime n'existe pas. La deuxième interprétation est que la nature de l'esprit est d'être claire et lumineuse et ultimement donc d'exister sans être altérée, sans être voilée en quelque sorte ou souillée de façon intrinsèque, de façon inhérente. Et là aussi, donc, cette nature ultime donc, de l'esprit consiste en l'objet qui est l'esprit d'éveil ultime. Ok. Nature sur de tacto. Ani, tambune, demane, tisuantar yomares.
tanda rikpa tangje ani ya chi sunga da meba suya shabe sortende yang samlo tangje ani chi denzi sunga da nangshin meba suzu suje lui tak chen dende ani di meba di nilu tartu se ya chi lui cheki tawa sortende ani dende ke mare sko dema ne yo mare lubur gi kengi zingi yore di ani diba re diba di lubu wazan res nilu tartu ba di rangshin di dema ne nabar takwa re demane stima simgi rangshin shu yo mare demane simgi nilu tartu ba di tongpa nye res duksin kwaya di cikcik di takdu tongi singi shi se ya di nilu tartu ba di gyudan kengi chiyo sume ba tindri kwa kwa res. Et quand on regarde le dernier vers donc, de cette strophe, quand il est dit donc, toujours, il a pour caractéristique la vacuité, ici, qu'est-ce que cela montre cela, ou qu'est-ce que implicitement cela veut dire? Ça veut dire que cette nature ultime, finalement, est-ce qu'elle émerge, on pourrait dire, de manière adventice, littéralement? En d'autres termes, est-ce qu'elle émerge à la faveur de causes et de conditions? Ou en d'autres termes encore, est-ce que cette nature ultime est impermanente? Et la réponse, c'est qu'il n'en est rien, cette nature ultime existe toujours donc comme étant complètement pur, donc comme étant non altéré, non souillé, etc., pollué, etc., depuis des temps sans commencement, depuis toujours, littéralement. C'est parce qu'on pourrait avoir l'impression que par le biais donc, de la réflexion, par le biais des pensées, de l'analyse, donc, l'on va plaquer, en quelque sorte, l'on va imputer une absence d'existence en soi, une absence d'existence ultime, et en quelque sorte créer en quelque sorte cela sans que cela relève de la nature même ultime en soi, en fait. Or, la nature ultime existe en elle-même, donc telle qu'elle est, depuis des temps sans commencement, et ce n'est qu'inversement que de façon, on pourrait dire, adventice, ou en tout cas ici, temporaire, de façon, oui, de façon contingente, de façon temporaire, que l'esprit, donc, est masqué, en quelque sorte, ou est obscurci par rapport à cette nature ultime. Il ne peut pas y accéder, donc, directement, mais de façon simplement temporaire. That is a lot sick day. Any Ningji Lembe Semgini, Bebe Gomacheva, he said, Sika Nidigi, the Carson Gorsona, on a Teda Vu, Tomba Nidi, Nelu Tatu Bade, Domane, Nelu Tatu Bache. Any Tomba Nidona Candidesna, Dinzingi Sumatan Meba, that in the invent Teda Vitoni the Candis Gongoresna, any Ningji Lembe Semgi, Lembasna, that Ningji Sembe Simba. Tab ningji simbe simbe gone, tomba ningji simbe gone gores, ta kandor bebe gomba chaba in sindu, ta tab gi simbe sherab, sherab gi simbe tab, tab shi sundu debe tone, gom gores, chesh, ta di tundala, tsigan nibudi, ningji lembe simbe ni bebe gomba chaba in sindu. Ningji lembe semki ani bebe gomba chaba in sayade karu gomba resna da tendum chanju semdi ningji sembe sembe kone gomba resna tabji sundri. Et qu'ensuite on commence les deux premiers vers de la troisième strophe, il est dit il faut l'esprit imprégné de compassion méditer avec diligence ça revient au même, en tibétain c'est à l'envers, mais il faut l'esprit imprégné de compassion méditer avec diligence sur cet esprit d'éveil. Et ici, en fait, qu'est-ce que cela montre? Cela montre que cet esprit d'éveil ultime, en d'autres termes, donc doit être médité conjointement au développement de la compassion. C'est-à-dire, il est dit l'esprit imprégné de compassion. C'est-à-dire, ce développement de l'esprit d'éveil ultime doit être lui-même, en fait, mu ou quelque part... Oui, imprégné, je ne trouve pas d'autre synonyme, mais imprégné de cette compassion, donc laquelle doit favoriser le développement de cet esprit d'éveil ultime et inversement. Donc, d'adine, n'y j'ai pas de compassion, d'adine, c'est quand tu as un niveau de vie, 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 tuji dani sangye ki sindu, sangye seyadi, tuji dani sangye di, ta deba tang,
tadawa dan mombe tuji dani jingi sangye gange tabji sungdegi roa rangshime be tongba ni kom rangshime be tongba ni tenla bab tende rangshime be tongba ni tenla babe sherepti an ningji chimbe sembe gone gombadi tuji chimbe sangye deba dan tadawa dan mombe sangye tende chin gombare gombar resin sayaji da de kasore diluksu sawa kemares Gumbulu Sardu Chevet in the Camaris, go Munchunki, Sangi the Chinese Mittens Gumbre, Tatare Tinder, Mombana, Tinderis, Casore, Ransom Mimba. Et le texte, la strophe se termine en disant les compatissants Bouddha méditent, alors si on suit littéralement en tibétain, méditent constamment, donc l'esprit d'éveil ou cet esprit d'éveil. Qu'est-ce qu'il est dit ici ? Cela veut dire que ce soit les Bouddhas du passé, ceux du présent, ceux à venir. Donc, tous les Bouddhas, sans la moindre exception, se sont adonnés donc, à méditer l'absence donc, d'existence en soi, l'absence d'existence intrinsèque, et ainsi développer la sagesse qui réalise cette absence d'existence intrinsèque. Et conjointement à cela, donc, se sont adonnés au développement la compassion. Et c'est en vertu donc, du développement conjoint en fait de ces deux aspects qu'ils sont parvenus ou qu'ils parviennent et qu'ils parviendront à leur état. Et ce qui est dit ici en fait là, explicitement, c'est que ce n'est pas une création en fait de Nagarjuna, quelque chose que Nagarjuna aurait inventé ou aurait nouvellement créé. C'est en fait quelque chose qui suit un processus de tradition en fait, de tradition. Ta kantar jang tande sholo ka tsiksu cheba nyi di kadula tundam chanchu sem gigi yu karre tundam chanchu ki sem di ani gomdang khanisu gungure tende shin gom goba di karresa na ta di luksu res ta di karso gure timadu dosa yo marasa ya di tsikang tama nyi digi ta tunda tande di sholo ka nyi digi tunda sum jo zo shin sum go res tundam chanchu sem gigi yu karre Et en fait, si on reprend de façon plus synthétique ces deux dernières strophes, qu'est-ce qu'elle se propose qu'est-ce qu'elle donne comme élément, comme information ? La première est répondre à la question quel est l'objet de l'esprit d'éveil ultime ? La deuxième est cet esprit d'éveil ultime, comment s'agit-il de le développer ? Et répond clairement en imprégnant son esprit de la compassion. Et la troisième chose qui est avancée, en fait, ou explicitée ici, c'est qu'en fait, en dehors de cette manière-là de procéder, il n'y a pas d'autre issue ou il n'y a pas d'autre méthode. Da sangi ki rigi kodang chie le go re sangi ki rigi dodang chile yungu yoba yindu ani rig seya di dolu ne kanji shigi yome rig seya di ngulu ne kanji shigi yome tiyan chik haku go res. Et quand on revient donc à la deuxième strophe lorsqu'il est dit donc de l'esprit d'éveil qu'il n'est pas obscurci pour nous par les pensées littéralement ici, qui n'est pas obscurci par les pensées ou les pensées intellectuelles. En fait, cela fait référence au potentiel de Bouddha, ce qu'on appelle la nature de Bouddha, quelquefois. Et il s'agit de regarder comment ce potentiel de Bouddha, ou cette nature de Bouddha, est envisagé du point de vue des sutras, comment il est envisagé du point de vue des tantras. Donc, c'est un peu de sangi grec, c'est un peu de dolune, un peu de sangi rung nuba, un peu de sangi rung nuba. Sangirungi nubas mixi keshi go amare ta shindu chave vesegi semdi ngaranzu gangalu yore ta tanda namdo rakpa ke diba mato shindu chave vesegi semdi ngaranzu lu yore ta te yoba inda te ane sangirungi rigri sin seyeng go res. Et la différence en fait entre les deux est que dans les sutras, quand on parle, quand on fait référence à ce potentiel de Bouddha, qu'est-ce que cela dit,
Et en fait, cela nous donne, enfin, nous montre que nous disposons du potentiel de parvenir à la bouddhéité. Potentiel qui peut se développer, non, et nous amener à la bouddhéité. Dans le cadre du tantra, en fait, ce n'est pas tellement cela qui est mis en avant. C'est pas qu'il s'agit d'un potentiel qui va nous permettre de parvenir à la bouddhéité. Ce qui est dit avec la nature de Bouddha ou le potentiel de Bouddha, c'est en fait que en notre esprit actuellement donc réside cette conscience très subtile, cette conscience claire et lumineuse, et qui s'avère être simplement masquée temporairement, donc temporairement obscurcie en fait par des voiles. En fait, si l'on regarde cette conscience très subtile, claire et lumineuse, donc qui existe à l'intérieur actuellement, donc au sein même de notre esprit, cette conscience très subtile, claire et lumineuse ne se distingue d'aucune façon de celle d'un Bouddha. En fait, pour le moment, ce qui nous concerne, et ça c'est la différence donc qu'il y a entre un Bouddha et nous-mêmes, c'est que cette conscience donc très subtile, cette conscience claire et lumineuse, est temporairement voilée, temporairement masquée, obscurcie, opacifiée, peu importe. Et c'est ça qui nous distingue en fait d'un Bouddha. Dès l'instant où ces voiles, ces masses, ces obscurcissements en fait se lèvent ou sont dissipés, dès cet instant-là, donc la conscience très subtile donc se manifeste et la bouddhéité est donc obtenue. Et en fait, si l'on regarde cela d'un point de vue du tantra, habituellement nous avons plutôt une approche très duelle en fait des êtres et de nous-mêmes, donc considérant l'un l'autre existant véritablement et les considérant donc comme complètement distincts, complètement dissociés. En fait, la présence de la claire lumière, la conscience très subtile, donc claire et lumineuse, si elle est voilée, si elle est obscurcie, elle fait référence donc à un être qui est encore donc par exemple assujetti à l'existence cyclique. Si cette même conscience très subtile, donc claire et lumineuse, n'est pas voilée, elle appartient donc ou elle est celle d'un Bouddha et donc de la bouddhéité. Tangne yoba yinzang, hwesegi semdela timelaba yo marishin she yindu. Yan samsamla, jikazore. Bena shung kashin nalo la, jikazore. Nanzu dömane sangye tsabare se chikirwa. Nanzu tanda sangye di yang sangye bas. Tangbuni sangye tsazabare dine, yangyo sangye gyo gyabgo ori se chikirwa. Tangye dine yoris da shung nalo na. Kantar jang, Sangye na semjin seyadi, ani gengi tone, kebar cheba mado, ngo tatube tone, sangye na semjin kebar keyo mares. Demane sangye res,
Toujours est-il que cette conscience, donc très subtile, claire et lumineuse, est elle-même, donc de façon intrinsèque, on pourrait dire, immaculée, non obscurcie, non entachée de quoi que ce soit. Et à ce titre-là, donc, certains auteurs, donc, dans certains textes, considèrent que de par cela, donc, nous sommes en fait, en quelque sorte, des Bouddhas depuis des temps sans commencement, mais des Bouddhas dont la nature, en quelque sorte, est masquée ou opacifiée, et en fait, temporairement, et donc il s'agit pour nous de redevenir, en quelque sorte, des Bouddhas que nous sommes depuis des temps sans commencement. Donc ça, c'est ce que posent certains textes. Toujours est-il, donc quoi qu'il en soit, du point de vue de ce qui est avancé, il est une évidence que cette nature, donc la nature de cette conscience très subtile est temporairement voilée, temporairement opacifiée, et c'est ce qui simplement nous distingue, en quelque sorte encore une fois, enfin qui distingue les êtres des Bouddhas, à savoir donc des conditions. Temporaire, la présence de ces voiles qui les distinguent, ce n'est pas encore une fois la nature ou l'essence même de cette conscience très subtile qui distingue les êtres des Bouddhas. Ani karsore. Ta negab ki kien timi diba tele tarwa chi che guwe ba yinzang ta ti tso shen shila sha chi she yindu ta san gerung ki nyuba de ani san gerung rik rik seya de dolu ki san gerung ki nyuba de ani san gerung rik rik seya de ta negab ki kien ki timi de tele tre guwe ba yinzang ti gyum zengi Ani sangyeru ki nyuba di rik rik song res. Dulu la sangyeru ki nyuba di sangyeru rik rik labro. Di labo yungzen di kares la so yungso kong. Ta ki usi ki sem di ki neka nyamang badan shishi dibi diba di le targu gu yuba inza. Diba di le targu gu kaso ure. Diba tele tarbe lam tuen baso gune da du tar gugu yoba inzan ani ta sangirungi nyuba di ani rikshis. Et du point de vue donc des sutras, donc rappelez-vous qu'on disait donc du potentiel de Bouddha ou de la nature de Bouddha, qu'il s'agit en fait, comme le nom le dit, d'un potentiel, quelque chose qui a le potentiel d'être transformé et conduit à la bouddhéité. Et en fait, comment comprendre cela? C'est que les sutras vont insister donc davantage sur le temps, sur la base, en fait, sur ce qui existe là maintenant, d'autres termes, donc sur la base, à savoir donc cette conscience très subtile qui est donc pour le moment, donc temporairement, mais pour le moment, voilée en fait ou obscurcie par les différents voies. Les voiles des perturbations, les voiles à la connaissance, lesquels tous deux donc, doivent être par l'exposé et l'utilisation ensuite du cheminement, doivent être éliminés. Et donc c'est ce que met en avant, enfin c'est la raison pour laquelle donc, dans les sutras, il est dit que la nature de Bouddha est ce qui a le potentiel de nous amener à la bouddhéité. C'est-à-dire que cette nature claire et lumineuse, cette conscience claire et lumineuse, donc peut, en étant débarrassée des voiles, donc des perturbations des voiles à la connaissance, peut conduire donc à la bouddhéité. I feel when in the Sutrayana when it says that
the potential is the Buddha nature, I think the approach is much more practical. You know, its approach is. Is there a difference between practical and realistic? There's a difference. It's almost the same, practical and realistic. If there's a difference. Pardon la question, excusez-moi. Je me suis demandé s'il y a une différence, pardon, entre quelque chose de pragmatique, de pratique au sens pragmatique, et quelque chose de réaliste. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Yeah. So Sutrayana approach is much more like a practical approach. So that's basically, okay, ultimate nature, clear light, you know, pure, luminous, great. But here the issue is still in front of my face. So let's deal with that. So let's look at it. Do we have the potential or not? So it's kind of practical approach. But again, Tantrayana is really trying to say what is the ultimate basics. Maybe when I'm saying realistic, maybe Tantrayana, when he says the clear light, the luminous, the, the clear light is the Buddha nature, maybe it's from the realistic point of view. If there's a difference between realistic and practical. Realistic? If there is a difference between realistic and practical, and Sutrayana is much more the practical approach. Maybe Sutrayana is much more principled approach from the practical approach. Maybe Tantrayana approach is much more approach from the realistic approach, more principled. Usually, not that much different between, I feel, also between practical and realistic. Realistic from the side of the reality itself. Realistic reality. What is the fundamental existence are? So, realistic or reality? So, basically, trying to talk same thing from different angle. You know, when we're talking Buddha nature, it's just no two different things, Buddha nature from Sutrayana point of view and Tantrayana point of view. You know, basically, both are trying to talk one thing from different angle. En fait, je pense que dans le Sutrayana, donc dans le véhicule des sutras, lorsqu'il est dit en fait que la nature de Bouddha consiste en le potentiel, donc qui veut nous amener à la bouddhéité, je pense ici que l'approche est peut-être plus pragmatique que réaliste. Si tant est qu'on fasse une différence entre quelque chose qui est pragmatique et quelque chose qui est réaliste au sens de conforme à la réalité, en fait, je pense que de ce point de vue-là, le Sutrayana a une approche beaucoup plus pragmatique. En ce sens que, ok, c'est bien la conscience très subtile, la conscience, l'aspect le plus ultime, la conscience de claire et lumineuse, c'est remarquable, mais actuellement, ce que nous avons devant les yeux, c'est en tout cas cette nature qui est opacifiée ou qui est masquée par les différents voiles. Et le sutra donc, se situe là maintenant d'une manière beaucoup plus pragmatique, que faire de ça, en quelque sorte. Alors que dans le tantra, donc, ce qui est abordé, c'est donc ce qui sera le résultat, mais en d'autres termes, ce qui correspond en fait à l'existence, ce qui correspond à la réalité, au sens ce qui correspond à l'existence fondamentale, au sens essentiel, à savoir donc cette existence donc claire et lumineuse donc de la conscience. Finalement, d'une façon élémentaire, les deux parle de la même chose, mais l'envisage sous un angle différent. The clear light. When we die, in time of death, you know, due to karma, you know, it's manifest, its surface. So maybe in Tibetan tradition, you know, death is so important. We have to remember, there's not that much ceremony for happy birthday.
Because I think the birth, then you're reversing from clear light, then you're coming back to the grossest mind, then you, it goes up and up, and then you, you know, it's just in one way you're bearing the, you're bearing the clear light. So in one way is precious memory with good news. One way is, you know, you, something's you're distancing from your clear light. Death is real. So not only that, but the clear light, you know, there's a, is a, there's a I don't know if we are able to jump into that train or not, but that train is going to cross from that station. So I don't know if we can catch on the time or not. Or maybe like one leg inside the train, one leg in outside. So death considered as a very seriously taken. Now, it's not so much about people love, you know, who has lived behind. It's not so much about those, you know, friends and family. It's not so much about, it's so much about person who are taking the journey. So, so there's also a time of sleep. There's some kind of jitumba. So maybe in class right now, if you're tired, there's short clear light. Jitumba, clear light jitumba. It's not too bad. Au moment de la mort, en fait, lorsque l'on meurt, donc à cause de notre karma, donc lorsque notre karma est épuisé, la claire lumière donc se manifeste, donc l'expérience en quelque la claire lumière se manifeste, la claire lumière, la conscience donc claire et lumineuse s'active donc ou est éveillée, se manifeste en d'autres termes. Et c'est probablement la raison pour laquelle donc dans la tradition tibétaine on considère la mort comme étant si importante et il y a beaucoup de cérémonies et beaucoup de préparations autour de la mort. Finalement, on ne fait pas tant de cérémonies que ça pour un anniversaire ou des événements comme cela. Par contre, maintenant, est-ce que l'on va pouvoir sauter dans ce train-là lorsque la mort se présentera? Ça, c'est autre chose, parce que c'est sûr que ce train s'arrêtera à notre gare, quelque part, au moment de la mort, c'est-à-dire que cette expérience, en d'autres termes, pardon, pas cette expérience, cette manifestation, cette activation de la conscience claire et lumineuse se fera donc au moment de notre mort. Maintenant, est-ce que donc nous pourrons sauter dans le train, c'est-à-dire en faire ou non l'expérience, ça c'est autre chose. Peut-être qu'on aura une jambe dehors, une jambe dans le train, quoi. Ça c'est possible. Parce que parler de la mort autant ou lui accorder autant d'importance, c'est pas tellement pour tout ce qui est du chagrin des êtres que l'on laisse, etc. C'est pas vraiment à propos de tout ça. C'est surtout en fait une question de développement en fait spirituel. Et c'est à ce titre-là donc que c'est vital ou essentiel. Ceci dit, dans le décours du sommeil, donc en fonction des différentes étapes, donc en phase du sommeil, il y a des il y a une activation donc d'une conscience très subtile qui est analogue en fait à celle qui se fait au moment de la mort. On dit littéralement un simili en fait de conscience claire et lumineuse analogue à celle qui se fait au moment de la mort. Ce qui fait que peut-être si de temps à autre vous piquez du nez pendant l'enseignement le matin, profitez-en, peut-être que vous ferez l'expérience d'un simili de claire lumière. Dolul shine dubindu migden chamodindu mise ke sungo mares ngalula migden chamo gomje ani shine dubya an lhakbardu ngalam yekudul shine dubindu migden chamo shuji gangla ani tendadin bi kingu yonzo setabya tendegi tone ani simjiji shine dubya tapshi kebar chenji sungo yore tendegi mba indu da Migden tamula sem
송야기 갈수고리 발도 주고 슉치주도 가릴래 그랬으나 지삼 짐바락바 요바티 안주길 짐바락바 가세 요바이나 짐바락바디 아니 믹된 참물라 심 송야라 바지 치주 차고 그랬어 다 짐바락바도 가릴래 그랬으나 아니 유덴도 두진인데 깬디 가릴 채 그랬어 난기 깬 박자 다 딘진 박자 랭기 박자 아니 유디 덴도 두진인데 아니 짐바락바 쇼치차 디깬기 믹된 참물라 심 숨 투금 매바인데 아니 신에게 쓴 주변에 있는 나야, 나에게 카둘라, 뒤에는 또 뭔가 로 장고 그래서. 신, 이제. 다 용량이 박자가 치고 그러고, 다 믹된 참물로 쓴 송이 송 송이알아 발주치니디 짐바 잡았는지. 제가 다 나 카둘라 신에 주변에 나야, 내가 또 장고 그래서. Une autre différence entre les sutras et les tantras donc, est les objets qui sont médités ou qui sont visualisés. Ce sens que les visualisations ne sont jamais aussi subtiles en fait, dans les sutras que dans les tantras. Par exemple, dans le tantra, certains stades vont amener à méditer l'ensemble d'un mandala, c'est-à-dire à la fois l'environnement et les déités donc, qui peuplent cet environnement sous leur forme complète, donc de façon extrêmement vaste et extrêmement détaillée. Et donc ça, c'est une particularité, en quelque sorte, notamment aussi des tantras, qui nécessite, donc, de par l'objet lui-même extrêmement fin, finalement extrêmement subtil ici, qui nécessite donc un calme mental beaucoup plus approfondi donc, que c'est le cas dans les sutras, que c'est le cas dans les sutras. Et ce qui empêche en fait de pouvoir appréhender, donc ce qui fait obstacle littéralement à cette visualisation donc claire, donc complète d'un objet aussi subtil, par exemple que celui qui vient d'être décrit, ce sont les niveaux de saisie grossiers, donc qui encore subsistent dans l'esprit. Ces niveaux de saisie, ces niveaux grossiers donc, de saisie viennent de conditions internes notamment qui sont les empreintes que l'on a sur notre esprit, les latences ou prédispositions qui sont sur notre esprit donc de saisie donc de niveaux grossiers de saisie. Et c'est la raison pour laquelle donc, dans le tantra, avant donc, de s'adonner pour favoriser donc, le développement de ce calme mental extrêmement profond, donc, on est invité à méditer en fait, la vacuité pour pouvoir donc, se débarrasser donc, de ces conditions donc, interne, savoir donc de ses empreintes et limiter ainsi donc les saisies grossières, donc qui empêchent la visualisation de complète, en d'autres termes, de l'objet dans toute sa subtilité. Ani gude homosum anlavardı lami en tezu kadarı şine judan soyundu. Ani da kasoru tüm bilgi hay nenjo tindeki kanla ani kasoru lungi nenjo sozelki nenjo sin tindeki tapşe şungu vardı yine yang tezu tüm bilgi çugurim madu zozo di ani çi kasoru mitüm bir kasoru da çiğma çamu da gıba çamu tezule Ninang Chamu, Somendo, Ninang Chamu, Chimwa Chamu, Goba Chamu, Tinzule, Mus Tara Chingidi, Da, Tomani Dobilo, Kurara Chai, Goris, Da, Ti, Gapting Sotela, Anni, Karzore, Da, Lungi Nenjo, Hai Nenjo, Tinzule, Goris. Sim
Lorsque l'on appréhende les différentes classes de tantra, donc pour ce qui est des tantras inférieurs, donc des trois classes de tantras inférieurs, des pratiques en fait ou des méthodes telles que le yoga de la déité, telles que la respiration du vase et autres formes de rétention donc de l'air, sont des aspects donc ou des méthodes, on va dire littéralement, qui consistent en autant de conditions propices ou favorables au au développement et donc au renforcement du calme mental. Dans le Mahanuttara Yoga Tantra, par contre, ces conditions favorables donc, demeurent, effectivement, il y a le yoga de la déité, il y a des exercices de rétention, donc de la respiration de différentes formes. Ceci dit, la condition favorable ou propice principale donc, au renforcement ici du calme mental est, comme on vient de le voir, donc, l'esprit qui réalise la vacuité et qui est en mesure, donc, comme on vient de le montrer, d'éliminer ce qui fait obstacle, c'est-à-dire ces aspects grossiers de saisie qui font obstacle, donc, et donc à savoir avec eux donc le relâchement, l'agitation, qui font aussi obstacle donc à la visualisation stable et claire donc de l'objet extrêmement subtil qui est appréhendé ici. Donc, Et dans la tradition Gelug notamment, ce sur quoi Lama Tsongkhapa lui-même a beaucoup mis l'accent, donc il y a cette coutume en fait de commencer donc à développer, à asseoir la base donc, qui permet de réaliser en quelque sorte la vacuité, puis ensuite de développer le calme mental. Donc c'est bien. Ganden chagyachin bo sjeni ani yan diyan yan luksu ji yores ganden chagyachin bo luksu la ani chi nie la shine kisem ju an ti tone an tomani kis tomani e lo jang yan chi yan ko doji sun yan chi luksu ji yores do nie la shine kisem ju an ti je la an tomani kis ganden chagyachin bo kiluk. Et dans la tradition donc, du Mahamudra, dans la tradition du Mahamudra Gelug, en fait, ou des Gelugpa, il y a au contraire, donc, il est indiqué au contraire, donc, on est invité au contraire à développer le calme mental avant donc, de se donner à la réalisation, au développement de la vacuité. Donc, là, on a dit que Kabar Yongo a quatre heures, non ? Tā dī gāndī chākṣīnī tā tū jītāṅ chākṣīnbī gōm gyabdāṅ lūksū lā shīnī dūbīn dūrī kō shīnī kī mīkba dī ngiā bā chāgu chātī rī shīnī kī mīkba dī sēm rā tā chākṣīn gōm nī gāndī jīn bā yī nā yāng tā shīnī kī mīkba dī sēm rā chāgu rī sēm nā mīkba shīnī dūbīn dī tā tīndī kī tō nē kō yāng gōm tōg nē tā wā tsō bā sā chī kī Similarly, we should do when the tea cover shop race. Et la différence, en fait, où réside-t-elle, c'est que dans le Mahamudra, donc de la tradition donc, de Ganden, c'est-à-dire donc, des Gelugpa, l'objet ici visualisé donc, pour développer le calme mental est l'esprit lui-même. Donc, là, similarly, we should do when the Shinne Dubya la mixegi nivashile gores. Tende yimba yindi. Ta mikden sim chen shagur sin du an ten ko lela wu jiyo maris. Mikden sim sin du an elin ela shine madu mikden kora nye ala dos kale yorwa. Mikden nye bache bala ta tindu yinba yindu shine kazo ure. Gomtong ne tawa tsoba sayadi en tis kazo ure. Sonam ki sokyap mena, ko lela wu jiyo maris. Le fait ainsi, donc, dans cette tradition, d'avoir donc, comme objet de visualisation du calme mental, donc l'esprit, donc, donne un caractère particulier ou une force particulière. Ceci dit, au préalable, il n'est pas facile déjà donc, de se doter en quelque sorte de cet esprit, c'est-à-dire de bien
de cet objet. Il n'est pas facile de se doter de cet objet de visualisation pour déjà méditer le calme mental. Et donc, à défaut d'avoir accumulé considérablement de mérite au préalable, donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Donc, L'objet ici donc du développement du calme mental donc dans cette tradition donc, est l'esprit. L'esprit est quelque chose qui peut être expliqué, donc ça ce n'est pas difficile. Par contre, quand on dit que c'est un objet qu'il est difficile d'obtenir finalement, d'arriver à identifier, c'est du point de vue de l'expérience, c'est-à-dire à ressentir, à avoir littéralement une saveur, en fait, qu'est-ce que c'est cet objet sur lequel on médite, qu'est l'esprit, donc au sens expérimental ici, ça c'est difficile. Et comment y parvenir? C'est grâce à la présence donc, et au développement, au renforcement, à la puissance ensuite de la mémoire et de la vigilance. Donc des deux, même en particulier de la mémoire, mais plus les deux, mémoire et vigilance, pourront se renforcer et plus on aura la possibilité donc, de trouver, en fait, à ce moment-là, de trouver cet objet donc, qu'est l'esprit. Donc c'est un peu de temps de chien qui est un peu de temps 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 sem temba nyashaki tembe nyamle ngugores ta sem temba nyashaki tembe nyamle nyala lu temba nyashaki nyamle temba nyashaki ngama ngame nyamle ngugorwa ta tinde inde temba nyashaki shi nyamle ndi gunde ne yabu yobache tinde yunyigi rigla ta migden shi ne gisem nyagi chi kasore kogob yabu yores. Et quand on dit que donc, la mémoire et la vigilance donc, sont déterminantes, quand on parle de la mémoire, mémoire veut dire se rappeler donc, de quelque chose ou ramener à l'esprit quelque chose qui est déjà connu. Et lorsqu'on fait référence ici à l'esprit, il s'agit donc d'avoir familiarisé son esprit, ce qu'on appelle les quatre placements de l'esprit, on dit quelquefois les quatre attentions, donc avec initialement le placement de l'esprit sur le corps, donc, ou de l'attention au corps, littéralement. Donc c'est... Année, Kantarjang, semnami bishini dumye tsu, da, kasore, pena sem tembanyesha gom yundu ne cheni, ko zimba rangshingi shukchung du dugres. Sem tembanyesha gom yundu ne, ane ko zimba jora, namto manguta le de ligri de ne, namto leba gangala, zimbe kasore. Nama shukchimbu yunda yabasamadu zimba. Je ne sais pas si tu as un problème.
rigpa samlo tang ji zimbe namdo kakpa tang tinde tinde ke ke maris kwa ya similar kwa similar mi be tamba nyesha jimba inde ko ji ko jang sing zimba ti zimbe namdo shuk shung do wores. Et parmi donc les placements de l'esprit, donc le premier, les quatre attentions, quatre placements de l'esprit, le premier se faisant sur le corps, et ensuite donc le second se faisant sur ensuite donc ces différents placements amenant au placement de l'esprit sur l'esprit, donc à l'attention à l'esprit lui-même. D'une façon générale, lorsqu'on porte ainsi attention donc à l'un ou l'autre des différents aspects, différents phénomènes au sens large, il y a une recrudescence, on a l'impression de noter en tout cas une recrudescence des pensées, donc des projections des pensées. Et lorsque l'esprit donc se porte sur l'esprit, donc littéralement l'attention est portée à l'esprit, on place l'esprit sur l'esprit, en d'autres termes, naturellement, sans que cela soit voulu, donc sans que cela soit fait par un raisonnement, délibérément, naturellement, les pensées, et parmi elles, en l'occurrence, toutes ces pensées qui relèvent de saisie, donc manifestent ici, donc au sens objectivable, patente, toutes ces, les saisies vont diminuer de force, vont diminuer d'emprise. Donc, Semlamibishine, Dubiendu, Titopki, and Semlamib Landon Dubiala, me Zimbarang Shingi, Shukchunga Yuba Yinzan, Semlamib Landon Dubia, Semgi Nilu Tertella by Valoko Pendosham Shayangores. De sorte qu'on voit ainsi que le calme mental donc développé en relation donc avec l'esprit, c'est-à-dire ayant comme objet de visualisation l'esprit, dans la mesure où il a permis donc la raréfaction en fait de ses pensées et en l'occurrence de ses saisies donc manifestes, patentes, et il permet ou il favorise le développement de la vue supérieure donc en relation donc avec l'esprit et donc permet donc plus facilement de toucher donc ou de percevoir la réalité ultime donc de l'esprit. So, you know, usually we get more attractive in such a practice, but also it's very important to us to understand what's the risk also. Now, in such a practice, you know, able to do meditation into nature of a mind, individual person have to, requirement is very persevering samarakasa, persevering tsundruki. Perseverance na kada tsundruwe. Tsundru sojruwe. Tsundruwe. Persevering. Persevering. Pergi sojaro jito. Okay, diligent, maybe this. Diligent. Very. There is a risk is easy to losing diligent. Okay. One thing. So, individual person have to have a very strong will of power. Willing to continue. Then another thing is risk is losing clarity of a mind, awareness. If individual not able to go through such a balance, because you are dealing with your own mind, so it need to be really quite precise, much more sophisticated, professional meditator. So anyway, there's more power, there's more risk. Then it's love or something. Then it's just a tie. That's the good channel. The person is able to go to balance. La. To
the person not able to go to balance. Balance. Ta chiwa tamulo maluya. Gobo tamulo maluya. Shin chiwa saba. An chiwa saba gomdi. An gom. Ko digital rules wala. Habituellement, en fait, nous sommes plus attirés par ce genre de pratique. Donc, il est toujours fait allusion donc au Mahamudra, tant qu'elle est présentée par Ligelupa, par exemple. Nous sommes plus attirés par ce genre de pratique, mais faut-il encore bien en connaître les risques avant de s'y engager ? Parce que être capable donc de visualiser la nature de l'esprit n'est pas du tout une chose facile, et il y a un risque significatif donc de perdre sa persévérance enthousiaste, son enthousiasme, son assiduité. Et il est nécessaire pour pouvoir continuer donc de se doter d'un fort degré de détermination, donc de résolution. Utiliser comme objet ici la clarté de l'esprit est quelque chose qui demande en fait, un grand professionnalisme de la part du méditateur. Et on ne peut pas se contenter à ce stade-là de faire de l'à peu près, il faut être assez précis. Donc devenir quelque part des méditants professionnels. Avec cette idée, l'idée de ne pas faire de l'à peu près, donc d'être précis, c'est que de bien arriver à reconnaître, détecter tout ce qui se passe dans l'esprit et de détecter notamment bien savoir identifier et détecter la présence de relâchements subtils ou de distractions subtiles dans lesquelles on peut rester donc infiniment longtemps, se méprenant en fait quant à leur nature et gaspiller énormément de temps. Dans le tantra, donc, quand on pratique le yoga de la déité, comme on disait hier donc dans le tantra supérieur, littéralement, tu sais, c'est de l'expérience de la vacuité que surgit littéralement la déité. Alors, pour le traduire même plus littéralement, on dit c'est de la réalisation de la réalisation de la vacuité prend l'aspect donc de l'émergence de la déité. Pour le traduire stricto sensu, ce qui veut dire en d'autres termes que il peut y avoir différents aspects, c'est-à-dire différents types de déités, et au sein d'une déité différents aspects, à savoir les différents aspects du mandala donc qui sont visualisés. Donc les aspects peuvent être différents, par contre l'essence demeure identique.
tous les cas, il s'agit de la sagesse qui réalise la vacuité. De sorte que le calme mental utilisé pour visualiser les différents aspects de la déité et du mandala, finalement, quel est réellement l'objet de visualisation de ce calme mental ? C'est l'esprit et la forme, mais c'est surtout l'esprit, à savoir la nature, même l'essence de cela, qui est la sagesse qui réalise la vacuité. La forme n'est que l'aspect revêtu par cette sagesse qui réalise la vacuité. Et donc, de ce point de vue-là, l'approche est assez analogue donc au Mahamudra tel qu'il est véhiculé ou transmis dans la tradition Gelug. Donc, Miyuk da kasore, keben saore kasore da, gaba davudi da nyeores. Chik nyela nyingji samba kongbe tu peya, nyingjungi samba kongbe tu peya. Chik che. Chik lingi gizimba. Tato ne, rwa nyala tawatsu, di jela shinigi sem dubindu, shinigi sem digi, ngwesu rantal hengi gizimbali nyugu maride inayang ko kaso ure chashidu masu ne, ko zimbali hengi lo nyuba yong tuyagi, shinigi sem di, ani zimba ngungyu watsam maimba, denzingi namdo gi zimba ngungyu watsam maimba, ta zimbali hengi la nyu tuyagi. Ne tuva jotu yagi kasu nyuba shayin go res. Tato ne gomba tsu yende. Shinegi sem tubya di, te pendo je kariwarsana, te tebi shinegi sem tela, hengi gi zimbala nyuyagi nyuba kebar chenji legi res. Zimbe namdo, tangi semla mibe shine digi, zimba ngungyu walo gon nyuyagi nyuba mato, Hengi ki zimbala nyo tuya ki nyo ba kemiksi lingma res. Tante dila, tato ne gomba tsoba ina, nye la tongba nye ki tawa tenla bap, ti je la, ani, shine ki simduwa ina, ta, hengi ki zimbala nyo ya ki nyo ba kebar chanchi lingma res. Ta di, tongi tobe shine di, langdong ngu dhugro, langdong cha du, langdong le du, ani, ko, ngues nyo dhugro. Hengi ki zimbala ngues nyo dhugro. Et quand on regarde donc la tradition de Lama Tsongkhapa qui invite donc à réaliser en fait la vue donc avant de s'adonner à la pratique ou de réaliser les bases en fait pour ou de poser les bases pour réaliser la vue avant de s'adonner à la pratique du calme mental ou au développement du calme mental, cela a deux raisons ou répond en fait à deux nécessités. La première est que cela permet de renforcer donc la compassion, de renforcer le renoncement, donc la pensée de renoncement, que d'avoir développé en fait les bases de la vue initialement. Et ensuite, cela permet, comme on disait tout à l'heure, le fait de prendre comme objet donc du calme mental l'esprit avait notamment pour effet donc naturellement de réduire donc les saisies, les degrés grossiers donc des différentes saisies, donc au sens manifeste ici, au sens objectivable ou pas tant. Non seulement en fait cela va permettre de réduire cela, mais ici cela va permettre de littéralement de laisser un potentiel spécifique, un potentiel particulier pour affecter les saisies maintenant innées, donc les saisies, les degrés plus subtils en fait de saisie. Donc c'est là tu dis bien de ben gandin chakjin gilu la chakjin bu gombe gandin chakjin ta chakjin chi ni gilu la ani tomani gomni de langdong gomzne ra tomani gomni de semnami be tomani zo gomni go res semnami be tomani ta Quand les chargés maïm qui ont été tatoués comme ça va se rendre, donc on y commence à naître des tonnes, ni le comme quoi les. Quand on y commence à y utiliser,
style kagacha kris. Et par exemple, que ce soit donc dans le mudra, le mahamudra, donc de tradition gelug ou d'autres traditions d'ailleurs, en fait, à la différence donc d'autres traditions complètement différentes, donc des traditions du mahamudra, l'objet ici qui est utilisé pour méditer la vacuité, ça va être l'esprit. Contrairement aux autres traditions où l'objet utilisé pour méditer la vacuité sera le jeu, en fait. Donc, da, tandis que Et dans la tradition donc de la Matsongkhapa, dans laquelle il prend donc le développement de la vue, donc dans un premier temps, quand il invite ici à développer la vue, c'est en relation, c'est-à-dire à développer la vacuité en relation avec le jeu, c'est-à-dire à réaliser, en d'autres termes, la vacuité du jeu ou du soi ou de la personne, peu importe. Et encore une fois, à quoi est-ce que cela répond? Cela répond au fait que qu'est-ce qui accumule du karma, donc qu'est-ce qui erre dans le samsara, c'est le jeu. C'est le soi, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette errance, donc, et à l'origine donc, de cette accumulation de karma, c'est la saisie du soi, en fait, la saisie du jeu, la saisie de la personne, peu importe, c'est pareil. Et d'où la nécessité, donc, de prime abord, de connaître le mode d'existence du jeu. Donc, c'est un peu comme ça,
Une autre raison est que de ce point de vue-là, donc la tradition donc prenée par Lama Tsongkhapa, donc de développer en amont en fait la vue, donc comme on vient de le voir, est plus étroitement liée finalement et induit en quelque sorte plus volontiers la pensée de renoncement et de compassion, donc que d'autres traditions. En ce sens que, comme on le disait, qu'est-ce qui accumule donc des karmas et donc qu'est-ce qui erre dans l'existence cyclique? C'est le jeu, et plus particulièrement la saisie du jeu, c'est-à-dire le fait de créditer ou de concevoir, enfin de saisir justement un jeu ou un soi existant de son propre côté. Donc c'est l'absence en fait d'existence de son propre côté, l'absence d'existence intrinsèque en fait du jeu ou du soi, donc qui permet d'enrayer cette errance dans l'existence cyclique, qui permet d'enrayer ce karma. Et donc le renoncement ici donc sert de support en quelque sorte au développement de la vue, donc de la vacuité, donc lui est ainsi étroitement lié, et de même que le corollaire en fait du renoncement étendu à l'ensemble des êtres, la compassion, donc de même, va être étroitement liée au développement de la vue. Ce qui n'est pas si évident que cela, donc en tout cas ce lien n'est pas si évident que cela, pour des pratiquants débutants en fait qui s'adonneraient aux pratiques du Mahamudra par exemple, qui prennent pour objet ici donc de visualisation l'esprit. Le lien en ce moment-là entre cet objet visualisé qu'est l'esprit et le renoncement et la compassion ne sont pas si évidents à faire. So, our wish easy. What is the easiest and you know quickest and all that things. But you know, complication is when you're trying to do a meditation related with the nature of the mind. For the beginner practitioner, maybe general speaking, the effect, the emotional power, you know, kind of naturally is reduced. Okay, the emotional power, it have a good power. It have also it have both sides. Emotional power. Emotion is very powerful, and it have both sides. So, Mahamudra meditation, at the beginning, somehow, on the process, we not necessarily, I'm saying, repressing our emotion, but we not pay attention, or we not give attention for our emotional. So because of that, the method practice of aspect like a compassion or renunciation, these are very strong emotional, and they change our action. So this is, you know, you can't have everything, you know, that's reality. So although because of such approach kind of leave behind emotional complications or emotional strengths or emotional positive and both things, so it gives a space of some extent of a concentration. It just, but again, if we those another things, if we're not able to bring in our journey and a path, and we may become kind of like very still, emotionalist, very still, and that doesn't really fulfill the purpose of our life. Now, bringing this whole thing also creates, in some certain extent, chaos. But again, you know, there's this balance that we have to, even in a spiritual journey. Like now, in the other hand, this first meditating in emptiness, then going to the view. It have its own also chaos, because you're bringing so much strong emotional power into the wisdom, because the process is, you know, you're looking, you're examining, you know, why this happening, why this whole thing, and Buddha explains because of karma and affliction. Why karma and affliction? Because of this is something that we
which is the center of the world, the self, if we have here. So, and then the meditation really gives, okay, let's see, is this the true story or what? Let's looking for that, looking into the grasping, world of the grasping, you know, which call recognizing or object of negation, you know, looking inside the world of grasping, how it grasps, how it appears. But strongly connected with that renunciation mind. And so back and forth, you know, outcome is, you know, there's also space of compassion, there's also space of strong liberation. Yeah, so, but again, because of bringing emotional, strong emotional power, the concentration takes much more challenge. You know, you don't have concentration, then you're not able to really root in our wisdom. So again, if you bring that whole things, strong challenge for concentration. If you leave behind that, just going to the meditation in nature of mind, not that much emotional challenge, you can build the concentration. But then again, there's a lot of risk that. So, you know, basically, you know, we can't have everything. That's the reality. So usually advice, why I can't have everything? Why not? Then yes, that also becomes with a condition. Yes, I can have everything with condition of accumulation of merit. So all that kind of dilemma, but how we handle is you can't fix by logic, you can't fix by another way. Only thing is karmic support, purification and accumulation. So that's the common answer. En fait, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons habituellement, c'est quelque chose de facile, quelque chose de rapide, etc. Et lorsque nous regardons en fait la méditation, d'abord, nous intéressons d'abord à la méditation du Mahamudra, qui prend comme objet en fait la nature de l'esprit. Lorsque l'on commence, l'effet en fait de cette méditation va être de réduire donc considérablement la puissance des émotions que l'on va ressentir. Et ça, on en fera l'expérience assez rapidement, de voir la force en fait des émotions se réduire, donc être amoindrie. Ceci dit, parmi les émotions, il y a des émotions constructives et des émotions qui ne le sont pas, des émotions plus préjudiciables. Quelque part, cela sans pour autant donc nécessairement refouler les émotions dans le décours de cette pratique donc de visualisation de la nature de l'esprit, c'est pas que les émotions soient refoulées pour autant, mais les émotions étant un peu écrêtées, ou la force des émotions d'autre terme étant un peu écrêtée, on n'y prête pas vraiment attention, en fait on n'y prête pas un si grand quelque part intérêt. Et à cause de cela, donc, on peut moins s'appuyer, en d'autres termes, sur la compassion, sur le renoncement, qui sont pourtant des émotions extrêmement puissantes, qui sont en mesure d'engendrer, d'amener un changement ou une transformation. Mais en fait, on ne peut pas tout avoir. Cette pratique donc de concentration sur la nature de l'esprit donne un réel espace qui favorise le développement de la concentration. Mais si on n'est pas extrêmement attentif, au sens donc ici de soucieux, quelque part, on peut simplement donc, passer pas mal de temps à devenir ainsi extrêmement serein, extrêmement calme, mais sans que rien d'autre réellement ne se passe, ce qui n'est pas non plus le but que l'on se fixe avec une telle méthode ou une telle pratique.
De notre côté, lorsque l'on utilise donc la méthode développée, enfin ou proposée par Lama Tsongkhapa, par exemple, donc de méditer la vacuité, donc puis de s'attacher à la méditation donc sur la vue, cela aussi donc présente ses propres avantages finalement et limites, en ce sens que ici on va intégrer en fait une dose extrêmement importante donc d'émotions dans la sagesse, et il s'agit donc ici de des émotions engendrées par la compassion, donc la bienveillance, la compassion, le renoncement, etc., qui vont être largement donc intégrées en fait, incorporées, on pourrait dire littéralement, à la sagesse. Pourquoi, alors ici on va s'interroger, donc on va se pencher davantage donc sur cette sagesse et examiner donc le pourquoi de la situation, de la réalité que nous expérimentons ici, enfin ou maintenant, et de voir donc le Bouddha a décrit comme à l'origine de la situation que nous expérimentons le karma et les émotions perturbatrices, et a décrit ce qui est le centre du monde, à savoir soi-même, donc qui se trouve là et ici. Et en fait, cette méthode ou cette approche va consister à mener une introspection, en fait, ou à plonger dans ce monde donc de la saisie, ce monde de la saisie du soi, et revenir à faire ce qu'on appelle techniquement reconnaître l'objet de réfutation ou l'objet de négation. Et de voir en fait que c'est quelque chose qui va être extrêmement lié en fait ou relié au renoncement et par extrapolation donc à la compassion, et donc cela laisse l'espace, donc donne cette méditation, donc laisse ainsi la place, laisse un espace donc à la présence, donc à l'incorporation de du renoncement, de la compassion, de la libération, donc qui est une autre façon de parler du renoncement. Et donc ici il y a une très grande puissance donc émotionnelle, donc dans la mesure où une très grande puissance émotionnelle est rajoutée, donc incorporée à la sagesse, cette pratique de la sagesse, du coup si la concentration elle-même n'est pas très forte, si on ne peut pas s'appuyer sur une concentration extrêmement puissante, alors là il y a un réel défi, parce que la concentration donc étant précaire, elle ne va pas permettre d'accéder suffisamment en profondeur dans la sagesse, ou de mener cette introspection suffisamment en profondeur. Les choses sont ainsi, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. D'ailleurs, pourquoi on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut? Parce que en fait, si, on peut avoir tout ce qu'on veut à partir du moment où on réunit les causes et les conditions, c'est-à-dire à partir du moment où on accumule suffisamment de mérite. Et de ce point de vue-là, rien ne peut être obtenu finalement autrement que par un soutien littéralement karmique, donc un capital karmique consistant. Donc c'est tapena tatone gombatsoya tanda jirmjik da dimang chena la tatone gombatsoya sungore tinane tatone gombatsoya tinalo la ta pena gakjeng munzing gomja guro gakjeng munzing gomdi Pechi sem temba nyesha dawa dawa chagiris. Kura ngun surang sem temba nyesha re sungu omar de ina yang gaksha ngun zingi di ane chik zimbala migbe temba temba dan shishin tenya ngan zinla migbe temba dan shishin tenya tende yendu kura sem chi mayimba sem chitakba da ngan zinla shaje tela migbe da temba do uchene gaksha ngun zingi da lot Kietan kandis gigi yume, peldan kandis pelgi yume, kui yu nga kandis zingi yume, nge nangzu kandis yume. Wadu kushin observation, shukshinbu shukchigi yume yinza, gajang yun zingi gomdi, ko tempa nyesha shukshinbu tenyangi gomso chagu waris. Tempa tenyangi gom. Thank you. Tempa tenyangi gom nangshi, jikbarade waris, shukshinbu. Re.
Et si l'on regarde donc l'approche de la Matsongkapa, donc de développer d'abord la vue ou de s'attacher donc oui à développer la vue de prime abord. Pour ce faire, il nous invite donc à identifier d'abord, donc cerner, reconnaître, peu importe, identifier l'objet de réfutation. Et quand on regarde bien finalement cette méthode qui consiste donc à chercher à identifier l'objet de réfutation, revient finalement de près ou de loin à l'attention à l'esprit, au placement donc de l'esprit sur l'esprit. En ce sens que dans un cas comme dans l'autre, finalement, dans l'attention de l'esprit, dans l'attention porté à l'esprit, par exemple, ce qu'on appelle le placement de l'esprit sur l'esprit. L'objet ici, donc, de visualisation, donc l'objet visualisé, est l'esprit lui-même, et en particulier donc les saisies donc, développées par l'esprit. C'est donc où s'engage en quelque sorte l'esprit. Et dans le cas, et donc, et à recours donc, à la mémoire et à la vigilance. Et dans le cas donc, de l'identification de l'objet de réfutation, ce qui va être examiné, c'est la manière dont le jeu est appréhendé. Donc, comment s'élève la saisie du soi, donc, dans notre esprit? Comment est-ce qu'elle est renforcée? Ou à la faveur de quoi est-ce qu'elle est renforcée? Comment est-ce que l'esprit va saisir le soi, ou saisir le jeu, en d'autres termes? Comment est-ce que cette saisie du jeu ou du soi apparaît à l'esprit? C'est tous ces aspects-là qui sont examinés, ce qui la rend extrêmement proche, ou ce qui rend, en fait, cette méthode extrêmement proche de l'attention à l'esprit. Dans ce même livre, il y a un temps de charger combien de années, c'est un des candidats qui est de candidat de c'est un des gens qui est de candidat Ceci dit, donc, à cette nuance près, que lorsque l'on cherche à développer le calme mental, donc, sur, ayant comme visualisation ici l'esprit, dans ce cas-là, ce que s'attache à faire, en fait, ici simplement l'esprit, oui, c'est simplement de regarder d'où vient l'esprit, où va l'esprit, simplement, mais d'aucune façon de procéder à une introspection plus avant, c'est-à-dire de regarder comment l'esprit saisit ce qui apparaît à l'esprit, etc. Donc. Donc on va s'arrêter là. Cet après-midi, peut-être essayer de réfléchir, donc de discuter à ce que l'on entend donc par l'union donc de la méthode et de la sagesse, donc littéralement, et essayer donc de réfléchir ou de discuter à ce qui a été évoqué donc dans la présentation donc du Mahamudra, c'est-à-dire donc de du calme mental développé sur la base de l'esprit, en ayant comme objet l'esprit. Essayer de discuter là-dessus.
Okay.